Bonjour François Henry. Bonjour Anne-Marie, bonjour à tous. Merci d'être venu avec nous pour nous présenter votre dernier livre qui s'appelle « Mon maître et mon vainqueur ». Donc François Henry, ça fait déjà plusieurs livres que vous publiez chez Gallimard. Vous avez publié... excusez-moi. Vous avez... trois livres précédemment. Oui. Je ne vais en citer que deux, car je n'aime pas le premier. Et les deux que je citais, c'est oui, Évariste, c'est qui Évariste. Est un roman sur Évariste Galois, mathématicien de génie, mort duel à l'âge de 20 ans. Et ensuite, un certain monsieur Piekielny, qui est une enquête sur les traces d'un personnage évoqué par Romain Gary dans La Promesse de l'Aube. Voilà. Puisque vous savez, j'imagine que vous avez quasiment tous lu La Promesse de l'Aube, et Romain Gary raconte qu'il avait un voisin qui lui disait lorsque tu seras connu, promets-moi de dire aux gens que tu rencontres, aux gens importants, qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Villeneuve, habitait un certain monsieur Piekielny. Et Gary raconte ça sur 5 pages de La Promesse de l'Aube, et moi je suis parti à la recherche de ce monsieur Piekielny pour chercher à savoir qui il était, comment il avait vécu, et à travers ce livre je parle de Romain Gary, mais là je suis en train de parler d'un autre livre qu'on n'est pas censé évoquer. Comme on a assez peu de temps, on ne va pas s'étendre sur monsieur Piekielny, qui avait pourtant été très remonté, mais maintenant on va parler de ce nouveau livre, Mon maître et mon vainqueur. Une histoire d'amour. Oui, de passion amoureuse. De passion amoureuse. Et la première acception de la passion, c'est la passion du Christ. Donc la souffrance aussi. Et c'est une histoire d'amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas censées tomber amoureux, en tout cas à ce moment-là de leur vie. Alors, parlez-nous justement un petit peu de Tina et de Vasco. Et puis peut-être aussi... du couple Tina Edgar, contrarier cette passion. Tina est comédienne. C'est une grande admiratrice de la poésie de Paul Verlaine. Vasco, lui, est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Il tombe amoureux de cette. Enfin, il tombe sous le charme de cette Tina, qui est sur le point d'épouser un autre homme, qui a déjà deux enfants avec cet homme qu'elle est sur le point d'épouser. Et évidemment, vous savez, cette phrase de Baudelaire, l'ennuyeux avec l'amour, c'est que c'est un crime qui nécessite un complice. Et bien finalement, elle trouve dans Vasco ce complice, c'est en bon. Quelque sorte. Et Vasco est arrêté, ça je peux le raconter sans le spoiler, comme on dit, puisque c'est le début du roman, il est arrêté au mariage avec un revolver, qui est le revolver qui a servi à Paul Verlaine pour tirer sur Arthur Rimbaud en juillet 1873 à Bruxelles, et que Vasco a acheté lors d'une vente aux enchères, puisque ayant fait l'objet de menaces de la part du mari, il décide de se procurer une arme à feu. Or, ça n'est pas très facile de se procurer une arme à feu. On ne peut pas rentrer comme ça dans une armurerie en disant « voilà, je voudrais un 357 Magnum ». Et donc, il se rend à une vente aux enchères chez Christie's, qui a vraiment eu lieu, où est vendu le fameux revolver, hein, le Faucheux de 1870. Il enchérit, il finit par l'obtenir pour la somme de 430 000 euros, qu'évidemment il n'a pas, mais comme il est conservateur à la BNF, eh bien la maison de vente aux enchères pense qu'il l'a préempté pour le compte de la BNF, et il se retrouve avec ce revolver. Et ensuite la BNF va recevoir la facture. Donc il est arrêté avec ça. Donc vous imaginez bien qu'il va avoir des soucis professionnels en plus de ses soucis amoureux. Mais donc il est arrêté avec ce revolver, et quand il est arrêté, on retrouve également sur lui un cahier, qui est un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Alors il y a des sonnets, il y a des haïkus, et ces poèmes sont censés raconter son histoire d'amour. Et le juge d'instruction qui mène l'enquête va convoquer parce que Vasco, il veut absolument rien dire, il dit tout est dans les poèmes, vous n'avez qu'à les lire et essayer de les comprendre. Et le juge d'instruction, eh bien, va convoquer son meilleur ami, qui est le narrateur, qui se trouve être écrivain, et le meilleur ami va se faire l'exégète de ce recueil de poèmes pour aider le juge d'instruction à résoudre cette enquête et à tirer les fils de cette passion amoureuse. Et alors un dernier mot, et après parce que là je suis en train d'accaparer la parole et c'est très mal poli, mais parce que je sais que vous avez reçu Tanguy Viel tout à l'heure. Il se trouve que Tanguy Viel est l'auteur d'un magnifique ouvrage, article 353, de plusieurs magnifiques ouvrages, mais l'un des derniers, article 353 du Code pénal.
qui se passe dans le bureau d'un juge d'instruction, et j'ai fait un clin d'œil à Tanguy Vielle, après lui avoir demandé l'autorisation, et j'ai repris le juge d'instruction qui est dans l'article 353 du Code pénal. Vous vous souvenez sans doute que dans l'article 353, il est très indulgent à l'égard d'un type, d'un brave type qui a poussé un sale type à la mer, et donc il fait en sorte qu'il soit acquitté. Et je raconte que ce juge, finalement, a fini par être muté à Paris, et on ne sait pas si c'est en raison de sa justice humaine et indulgente, ou alors une mutation pour en quelque sorte le punir, quoi, d'avoir, voilà. Mais bon, ça c'est juste un petit clin d'œil littéraire à Tanguy Vielle. Mais quand même, il faudrait revenir au juste. Pourquoi avoir choisi justement un cadre juridique pour parler d'amour? Vous vouliez faire le procès de la passion? Ah, vous croyez? Est-ce que je voulais faire le procès de la passion? Je crois pas que je voulais faire le procès de la passion. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? C'est la raison qui rend les armes, en quelque sorte. Il n'y a plus rien de rationnel dans une passion amoureuse. Et puis, c'est une très riche épreuve philosophique, la passion. Sioran disait que un amour qui s'en va est une si riche épreuve philosophique que d'un coiffeur, elle fait un émule de Socrate. Eh bien, je crois que, outre que cette phrase est peut-être pas très sympa à l'égard des coiffeurs, moi d'ailleurs j'ai voulu mettre un personnage de coiffeur philosophe dans ce roman. Je souscris tout à fait à cette phrase. C'est une très riche épreuve philosophique, et je voulais en quelque sorte essayer de rendre compte de tous les sentiments qui nous traversent lorsqu'on éprouve, lorsqu'on vit une passion amoureuse. Oui. Espérez que vous la regardez un peu sous tous les angles, cette passion. Ça, c'est très drôle par moments. Presque on pourrait parler de votre ville à certains moments, mais par d'autres, on est plus dans le lyrisme ou on est carrément dans l'érotisme. Oui, il faut en parler, ça. La première rencontre que j'ai faite devant des libraires, lorsqu'on a présenté le livre, j'ai fait ma présentation et je suis allé voir David Ducreux, mon attaché de presse qui est ici, et évidemment je lui ai posé la question. Je lui ai dit bon, alors comment j'étais, parce que c'était la première fois que je parlais du livre en public. Il m'a dit, écoute, c'était pas mal, tu as toutefois oublié de mentionner qu'il y avait du sexe dans ce livre. Donc maintenant, je ne manque jamais une occasion de le rappeler. Ce qui est un argument de vente, comme un autre. Bon, et revenons au poème alors du cahier de Vasco. Alors déjà, ce cahier donc, qui contient que des poèmes, Vasco ne veut parler de son amour que par des poèmes. Pour vous, amour, poésie, c'est indissociable? En fait, il y a plusieurs moyens de se remettre d'un chagrin d'amour. Alors on peut, essayer de se mettre sur Tinder et trouver quelqu'un d'autre, ou alors passer son temps à s'apitoyer sur son sort, ou essayer de s'en remettre en quelque sorte, avec des vers, avec du rythme, avec de la poésie, en écrivant des poèmes. Alors ce n'est pas un truc très original, mais c'est en tout cas ce que fait Vasco. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'en sort, il essaye de s'en sortir, en quelque sorte, de se remettre du chagrin d'amour qu'il éprouve, en écrivant des poèmes. Je ne sais pas pour moi, mais pour lui, en tout cas, oui, amour et poésie sont indissociablement liés. Ça serait mentir que lorsqu'on écrit un roman comme celui-ci, de prétendre que tous les sentiments que l'on essaye de restituer n'ont pas été vécus. Ils ont été vécus. Moi, j'ai vécu un chagrin d'amour suite auquel j'ai écrit ce livre. J'ai commencé d'abord par écrire des poèmes qu'ensuite j'ai voulu enrober de fiction. Et donc, évidemment que ce livre puise sa source dans une histoire que j'ai vécue, mais cette eau-là, c'est sans garantie d'origine que je la mets en bouteille. Et j'ai vraiment essayé de broder une fiction à partir de cela. D'accord. Et du coup... Je ne sais pas si ma réponse était consternante. Oh, mais si. D'accord. Si ça vous a donné envie de le lire, mais en tout cas, on se marre bien. Si tu veux parler d'un livre, on fait un stand-up, un two-man show. Woman show. Donc, au fil des poèmes de Vasco,
Vous avez, en fait, comme vous le disiez, le narrateur va répondre souvent plus sur la forme que sur le fond, en fait. Il va faire une exégèse, vous disiez, une exégèse de ses poèmes. Voilà, la forme, c'est une, quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre démarche d'écriture. Bon, ça servira à rien d'être là si c'était pas le cas. Enfin, je crois pas qu'il y ait un seul écrivain vraiment qui de littérature qui soit pas attaché à la forme. Oui. Une phrase que j'ai souvent citée, dont je parlais dans mon précédent roman, c'est celle d'Oscar Wilde. Il disait si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Eh bien, pour éprouver du plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est parce qu'il se tient sur le style, puisque par définition, on connaît déjà l'histoire. Donc, évidemment, vous savez, si vous fermiez les yeux et que vous nous entendiez, enfin, si on continuait cette conversation, mais que vous fermiez tous les yeux, vous seriez en mesure de reconnaître notre voix. Eh bien, je crois que tout écrivain aspire en réalité à ce qu'un lecteur ayant déjà lu une page d'un de ses livres puisse ouvrir un autre livre sans avoir lu son nom sur la couverture et reconnaître son écriture, c'est-à-dire reconnaître la singularité de sa voix. Pour moi, c'est ça le style, c'est la singularité d'une voix par écrit. Donc évidemment, oui, la forme. Et donc on va parler aussi, on parle beaucoup d'amour, mais on parle aussi beaucoup de littérature dans ce roman, et on croise des tas de références à la littérature. Alors, à la fois parce qu'il y a des détournements, des emprunts, des... Oui, c'est comme tous les écrivains qui ne sont pas très sûrs de leurs moyens, lèvent les yeux vers le ciel, regardent les géants et essayent de se juger sur leurs épaules. Oui, et on parle de littérature parce que cette Tina est très, une grande littéraire, amoureuse de poésie, et Vasco est conservateur à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France. Il est conservateur dans la... il est en charge de la réserve des livres rares et anciens. Et ce qui a été l'élément déclencheur, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire que j'ai été en résidence à la BNF, j'ai été invité à me promener à peu près partout, ce qui m'a permis de dérober le cœur de Voltaire, ce que je raconte dans le livre, mais ça c'est une autre histoire, et j'ai pu voir les trésors de la BNF, j'ai vu les manuscrits de la Recherche du Temps Perdu, j'ai vu la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé, j'ai tenu entre mes mains les épreuves corrigées des Fleurs du Mal, ou Baudelaire, un vers de Baudelaire, un des premiers poèmes, ces monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, virgule dans la ménagerie infâme de nos vices. Et le correcteur en retire la virgule, Baudelaire la rétablit et dans la marge il note « je tiens absolument à cette virgule ». C'est très beau. Et j'ai vu aussi le manuscrit des Contemplations de Victor Hugo. Et là je vois ce poème magnifique, peut-être le poème le plus connu, le poème sans titre le plus connu, qui commence par « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai ». Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, etc., etc. Je vais pas vous le réciter en entier parce qu'on n'a pas le temps. Mais Hugo termine quand même par ce quatrain. Et quand je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Et là, moi, je le connaissais, ce poème. Donc je m'attends à voir un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. Et je lis une branche de houx et de la sauge en fleurs. Et là, je vois que Hugo rature ce dernier vers et ajoute en dessous un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. Et j'avais l'impression, en voyant le manuscrit des Contemplations, en voyant ce poème écrit par la main d'Hugo, de m'être trouvé à côté de lui, de le voir se caresser sa barbe blanche, tremper sa plume dans l'encrier, barrait d'un geste rageur une branche de houx et de la sauge en fleurs et substituait ce dernier vers qu'Hugo sans doute trouvait boiteux par un vers beaucoup plus euphonique, un bouquet de houvert et de bruyère en fleurs. Et ça, je trouve que c'est très émouvant, et j'ai voulu donc faire un personnage qui est ému par ça et qui devient conservateur à la BNF et qui va en tirer profit puisqu'il va amener Tina dans la réserve des livres rares et anciens, lui présenter tous les trésors de la BNF qu'il va mettre sur une table, et là il y a une sorte de tension érotique qui va monter, et il voudrait pouvoir débarrasser la table d'un grand revers de main.
Sauf qu'il ne peut pas, ce sont les trésors. Il y a la Bible de Gutenberg, il y a les épreuves corrigées des fleurs du mal, il y a les contemplations, etc. Donc ils vont reposer chaque livre à leur place, puisqu'à la BNF, un livre qui n'est pas à sa place est un livre perdu. Donc méticuleusement, et là enfin, ils vont pouvoir s'adonner au plaisir de la chaîne. Et voilà. Donc là, avec cette scène-là, on a du mal à renseigner pour autre chose. Hein, et il est difficile de surenchérir à ce moment final. Peut-être qu'on peut... Je vous vois désarçonner. Mais je pense qu'à ce moment-là, on est quand même effectivement... C'est le privilège de l'écrivain, en fait, de pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez avec avec ces reliques. Ah oui, alors ça, c'est pas un truc que j'ai vécu, c'est l'imagination pure. Mais non, mais justement, par écrit, on peut s'autoriser à faire des choses presque sacrilèges, on pourrait penser. Il y a beaucoup plus sacrilège que ça, mais ouais, on peut s'amuser un peu. Voilà. Donc. Je pense que vous avez eu un bel aperçu du livre et que vous serez très 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 heureuse de pouvoir le lire encore, si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est un moment merveilleux, très agréable en alors, tout cas. Je vais vous laisser le mot de la fin alors. Un moment réjouissant, mais non, je vais vous le laisser quand même. Non mais merci à vous, vraiment c'est très émouvant pour moi, c'est la première fois que je me retrouve devant une audience aussi large depuis... Depuis qu'un pangolin a bouffé une chauve-souris à Wuhan. Voilà, non. Merci beaucoup.